plaît, abonnez-vous. Ouais, beau s'abonner na chaîne Papi Masuta HD, le boss. Pour beaucoup ta ba mélodie ya kitoko, ma bou ma basa beta ka, ba bingunza binkanya, ba tete lotilo, ba bous ni tanzin. Pour beaucoup ta mo, faut que s'abonner na chaîne ya Papi Masuta, le boss. Bisous, bye. Bana poto, partout dans le monde, ba bisonnion son Papi Masuta HD. Ba bi beau s'abonner massif, ma bou mon ebino kwa bien. Ben mission qui tourne, ba bi émission ya réflexion pa. Elle m'occupe donc. Binonion, c'est beau s'abonner, ma sim na bengi ba na poto ba fanyo sa la femme du patron. Le vite abijou dans ce bon moment, le bloc à kitoko na Papi Masuta HD dans bon mona ba théâtre bien ba gaga kitoko be mission kitoko ba artiste na ba te obo lingaka obo préféraka beau s'abonner massif ma bayo Papi Masuta HD TV. Ah, on a Papi Masuta HD TV, nyonso majali, ba lobby, ba émission ya makashi, ba émission ya kitoko, ba émission culturelle, ba émission politique, j'ai nyonso ya ba émission oyo bolingaka, et jaka na kacha chaîne yo. Oh ba théâtre ya malonga, ba gagi ya malonga, ba artiste na bino feferé, oh bino bo feferé na bangote, bango tu ba kobanda ko défiler ah. Kaka papa ya na fierté, na ba misuju oyo bo yebi wana, ba kobanda ko lekawa. Na lobby, bon s'envoler massivement. Bon s'envoler na chaîne Oyo, Papi Masuta HD TV. Papi Masuta TV, you are my chaîne. You are my luck. You are my name. You are my voix. You are my tout. Et chaîne Oyo, je vous marre. C'est pas trop mimi, c'est très gibolant. I love you, Papi Masuta TV. On est là. Il y a des chaînes, j'ai dit bien. Il y a des chaînes, mais il faut chercher quelle chaîne. Il faut chercher une chaîne de qualité, une chaîne de savoir-faire, une chaîne supérieure. Maintenant, on a cette chaîne-là, Papi Masuta HD. Je dis bien Papi Masuta HD. Abonnez-vous. Moi, Alain, je suis déjà là. Babylon, on est qui toc, il y a qualité, il y a bien. Bah, télédramatique. Il y a bien. Bagag, il y a bien. Mais mission socio-culturelle, il y a bien. Mais on a encore une grande émission de réflexion. Réflexion plus. Mais ce Rotali Moutazago a présenté mission à la une grande dame très intelligente, M. Kib. Moi, je l'appelle M. Kib. Voilà, abonnez-vous massivement. Je dis bien massivement. Bon luka 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 te. Bon zapé zapé te. Papi Masuta HD. Nde makam. We'll be right back.
nous informe sur le son émission, la production plus avec mon équipe, Optimati Meléa Masuta. Et comme promis, nous avons les soucis d'aller partout pour vous faire des informations, ou encore de nous informer toujours. Et nous avons essayé de parvenir un peu partout. Et puis nous avons toujours. Qui vous fera du bien, comme je sais qu'il y a la Kadi Zingwelo qui est toujours là pour soutenir les fondations. Il y a aussi le boss la HD, mais aussi la grande dame à Lille, et voilà. Beaucoup de temps, je sais que vous êtes devant vos ordinateurs, vos téléphones, vos télévisions, et nous passons directement les micros à une grande dame qui vous fera plaisir ce matin. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame Bélia. Comment vous allez? Ouais, ça marche. Madame, nous sommes venus vers vous pour essayer de comprendre qui êtes-vous. Votre présentation en fait. Alors moi je suis Chipola Mwinda Nancy. Oui, madame Chipola Mwinda Nancy, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes mariée, divorcée, célibataire. Alors, madame Chipola Nancy est mariée, mère de deux enfants, vivant entre deux continents, l'Amérique et l'Afrique. Professionnelle, je suis enseignante spécialisée, plus précisément au Canada, à Toronto. Et j'ai une fondation qui est aussi entre l'Amérique et l'Afrique. Donc la fondation, c'est la fondation Mwinda, que je suis la fondatrice. Et voilà un peu les grandes lignes de moi. Voilà, Blanche Guéret-Gébé de Jésus, la fondatrice de la fondation We Are Belgique. Il y a aussi une grande dame Chibola, Mwinda Nancy, qui est la fondatrice de la fondation Mwinda. Pourquoi la fondation Mwinda? Parce que c'est votre nom. La fondation Mwinda, non, c'est pas parce que c'est mon nom. C'est juste parce que la lumière brille pour tout le monde. Voilà un peu. Donc je suis là, la fondation est là pour juste mettre un peu de la lumière dans les vies des personnes vulnérables. La fondation Mwinda a fait déjà combien de temps? La fondation Mwinda a fait plus ou moins un an en République démocratique du Congo et deux ans au Canada. Ok, cher confrère, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, voilà, madame Nancy. Oui. On vous a très bien accueilli chez vous. Merci. Nous vous disons sincèrement merci. Vous venez de faire une brève présentation de la fondation Mwinda que vous gérez. Pouvez-vous nous éclairer en quelques lignes la fondation Mwinda? Vous avez quel objectif et comment vous évoluez? Vous évoluez avec la fondation Mwinda au Canada ou ici à Kinshasa? Et comment ça se passe déjà avec vos activités? Alors merci de me donner la parole. Alors la fondation Mwinda a vu le jour le 17 octobre 2019 ici à Kinshasa. La fondation a pour mission de pouvoir aider et venir en aide aux personnes vulnérables. Bon, tout au moins, on dit souvent qu'à Kinshasa, ici au Congo, il y a toute la population sont vulnérables. Mais nous avons quand même ciblé quatre catégories des personnes vulnérables que la fondation s'occupe. Alors la fondation s'occupe précisément des enfants, des femmes veuves, des femmes seules. Elle s'occupe aussi des personnes de troisième âge et des personnes vivant des défis de comportement. Ça peut être des comportements physiques ou des comportements moteurs, c'est-à-dire des handicapés mentaux, des handicapés physiques. Voilà un peu les catégories que vient en aide la fondation Mwinda. Alors oui, la fondation Mwinda a déjà fait beaucoup d'activités jusqu'à présent. En décembre, nous sommes allés faire un repas de cœur avec les orphelins des Kitambo. Et puis nous sommes allés faire le Papa Noël avec les enfants des cris des orphelins. Je pense, si je me rappelle pas bien du lieu,
Mais les enfants-là, ils étaient très contents. Je me suis rendu compte, en fait, ces enfants-là, la plupart viennent me dire que c'est la première fois qu'ils ont reçu une présence, un cadeau, quelque chose, des poupées, des friandises. Ça leur a fait du bien. Juste de penser qu'un 25 décembre, un enfant quelque part dans la planète qui n'a même pas reçu des friandises ou un petit cadeau, c'est vraiment triste, c'est vraiment très triste. Alors, la fondation était là, on a passé une journée avec ces enfants-là dans l'orphelinat, j'ai cuisiné pour eux, j'étais moi-même à la cuisine, on a mangé tous ensemble, donc ça a vraiment fait chaud au cœur. Et puis, l'activité que nous avons fait, nous avons fait aussi une activité avec les personnes de troisième âge, de Kitambo, et ces personnes de troisième âge, ce qu'on a fait, on est parti rénover leur chambre. C'était ça, c'était, oh mon Dieu, je me suis demandé si moi-même je pouvais vivre là, si ma mère pouvait vivre là, si ma grand-mère pouvait être là. Non. Alors, ces gens-là sont des personnes de notre troisième âge. Ils ont passé, je pense, toute leur vie dans des défis. Alors, pourquoi pas les accompagner dans leur fin de vie un peu plus confortable? Pourquoi pas? C'est la question que je me suis posée. Alors, comment faire pour les accompagner dans cette fin de vie confortable? Le minimum de confortable, de la confortabilité qu'on peut trouver. Alors, j'ai commencé par aller d'abord arranger leur lieu, leur habitation. On a fait de la peinture toute la journée dans ces chambres-là. Et puis j'ai accompagné ces mamans, ces personnes de troisième âge à un suivi psychologique parce qu'ils sont habitués dans leur saleté. Donc comment faire pour nouvel changement? Donc je les ai accompagnés dans ce processus-là durant toute la journée à l'acceptation de nouveau du changement, à l'acceptation de la nouvelle peinture, de la nouvelle couleur. Et puis... On a passé une journée vraiment inoubliable pour moi parce que ces mamans-là, la plupart venaient juste pour me dire merci. Merci, et je les ai emmenés de la musique, on a dansé, donc c'était vraiment une journée formidable. Voilà un peu beaucoup d'activités, il y en a encore tant d'autres, si vous voulez encore que... Si vous voulez énumérer, il n'y a pas de souci. Non, ça va déjà. Je pense que nos téléspectateurs qui vous suivent ont compris le bien fondé même de la fondation Mouine. Mais là, on voudrait aussi savoir, la fondation Mouine, ici à Kinshasa, la fondation a un siège, le siège est où? Est-ce que la fondation... a ses représentants ici, ils ont ses représentants dans chaque, bon, disons, dans la structure, il y a moi qui est là avec une équipe bien structurée. Comme la coordonnatrice. La coordonnatrice, voilà. Et après, il y a des sous-coordonnateurs qui s'occupent directement de l'équipe ici à Kinshasa. Et dans chaque secteur... Vous avez une diversité de noms possibles. Oui, bien sûr, monsieur Cordon Olivier et monsieur Cordon Didier. Monsieur Cordon Olivier, lui, il est spécialement vers le secteur de Matongé. Et monsieur Cordon Didier, lui, il est vers le secteur des Limété, Lemba. C'est la même côté. Et après, là, on descend, il y a des sous-secteurs. Et les sous-secteurs, on trouve de porte-parole dans des communes, dans des quartiers qui sont là pour... Donc, prendre les nouveaux adhérents. Et maintenant, ici, jusqu'à présent, on arrive à plus de 3500, 4000 membres. Je ne les ai pas vraiment en tête parce que c'est dans tout Congo. Donc, nous avons aussi des représentants dans d'autres provinces. Alors, je ne sais pas si je vais dire province ou ville. comme vous voulez. Hein, donc, par hasard, la ville de Lubumbashi, la ville de Uvira, la ville de Lualaba, la ville de Boma,
et la ville de Maïndombe, je ne sais pas si c'est une ville, non, c'est une ville, ok, la ville de Maïndombe, province de Maïndombe, et Kananga. Kananga. Oui. C'est dans le Kasaï. Kasaï central, voilà. Oui, voilà. Et ici à Kinshasa, le siège de la fondation, c'est... Alors, ici à Kinshasa, le siège de la fondation, parce que la fondation en elle-même a une école. Une école qui se situe à Badara. Et cette école-là, c'est là où il y a toutes les sièges, tout ce qui se passe. Mais à part ça, on a des sous-bureaux. D'accord ? Mais si vous voulez nous joindre, l'adresse officielle dans nos papiers, c'est où il y a nos bureaux à Badara, où il y a l'administration. Okay. Oui. Et après, si vous voulez contacter les cordons avec leur numéro de téléphone, ils vont vous dire où il y a les secteurs, les bureaux qu'il y a dans chaque secteur. Malheureusement, comme je ne connais pas très bien la ville de Kinshasa, je ne pourrais pas vous dire, mais je vais vous laisser les coordonnées de tous ces gens-là. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, madame, nous avons suivi attentivement. Avant tout ce que vous avez mis à citer, vous supposez avoir atteint vos objectifs, mais vous continuez pour les objectifs. Mes objectifs, je peux dire, mes buts ne sont pas atteints, mais certains de mes objectifs sont atteints. D'accord ? Comme par exemple, le but numéro un, c'était de venir siéger ici à Kinshasa. L'objectif, c'était de pouvoir avoir des adhérents et des représentants. Donc cet objectif-là, c'est fait. Alors, le but numéro un, est-ce que j'ai pu avoir ce que je visais comme venir siéger ici à Kinshasa ? Au Congo. Donc, le Congo, si je peux bien savoir, il y a beaucoup de provinces. Donc, je ne suis même pas la moitié de mes provinces. Donc, le but n'a pas été atteint. Voilà un peu. Certains des objectifs, je peux dire que c'est atteint. Mais il y en a beaucoup qui restent à travailler sur ça. Et voilà. Et la fondation Mouinda, vous nous avez dit qu'elle encadre les enfants, les veuves. Les personnes les plus âgées. Par exemple, par encadrement des jeunes, vous faites comment les enfants? Alors, par l'encadrement des enfants, comme je vous ai dit, pour pouvoir aller dans la source, aller vraiment dans la source. Parce que quand je me suis dit que, ok, je vais m'implanter au Congo, mais qu'est-ce que je vais faire? Je commençais d'abord par aller dans la chose que je sais le mieux faire. C'est ce que je dis que c'est mon savoir-faire. Mon savoir-faire, c'est d'apporter mon savoir qui est l'enseignement ici au Congo. Alors, je me suis dit comment faire. Je commençais par construire cette école dans un milieu reculé de Kinshasa, de la ville, parce que Badara, c'est quand même un banlieue de Kinshasa qui n'est pas loin de Kinshasa. Et dans ce banlieue-là, il n'y a ni l'eau, ni l'électricité, ni un endroit structuré pour les enfants, pour l'école. Mais vous vous rendez compte, on est en 2020. Il y a des enfants encore de nos jours qui n'ont pas droit à l'éducation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est affreux. Pour moi, un enfant doit avoir droit à l'éducation là où il est, peu importe l'endroit où il se trouve. Alors, j'ai continué à faire... J'ai construit cette école qui est déjà opérationnelle et il y a tant d'enfants là-bas. Et ces enfants-là, à tous les deux jours, reçoivent aussi une collation. Parce que ces enfants-là, je me suis rendu compte, dans la salle de classe, ils viennent, ils sont affamés. Ils ne sont pas, ils ne sont pas aptes à recevoir l'enseignement. Donc, quand on leur donne à manger, ces enfants-là sont plus réceptifs à l'enseignement. Donc, je me suis rendu compte que, je vais commencer à leur donner à manger à tous les deux jours. Mais, est-ce que j'arrange le problème? Parce qu'il y en a d'autres qui commencent à venir parce qu'on leur donne à manger. Est-ce que j'arrange le problème? Alors, je réserve que de manger devienne un intérêt. Ils oublient qu'ils viennent pour l'école. Alors, je me suis dit, bon, je vais aller à la source. À la source, c'est quoi? C'est à la maison. À la maison, c'est qui est la première qui porte? C'est la maman. C'est la maman qui est la plus vulnérable à la maison.
Alors comment faire pour venir en aide à ces mamans pour que ces enfants puissent venir à l'école en ayant ne fût-ce que quoi manger dans leurs assiettes à chaque jour? Voilà un peu l'objectif, un peu comment j'encadre ces enfants-là. Ces enfants-là viennent dans cette école-là, c'est gratuit. C'est gratuit. Je me suis dit, le milieu est tellement pauvre. Ils vont me payer combien? Et avec cet argent, est-ce que je vais m'enrichir? Avec cet argent, est-ce que je pourrais même m'acheter quelque chose? Alors pourquoi leur faire? Pourquoi leur embêter à se tracasser encore au lieu d'aller chercher de quoi manger pour leurs enfants? Ils doivent chercher de quoi mettre, payer pour les études. Alors en même temps, je défends que l'éducation, c'est les droits. C'est le droit primordial pour un enfant. Voilà, merci beaucoup. Et la fondation Wenda, voilà, on nous a bien expliqué ce qu'elle fait en tout cas. Et madame Nancy, il y a toujours des fondations, il y a tant de fondations en RDC. Et vous venez toujours comme ça, c'est gratuit, l'enseignement. Moi je défends les enfants, moi je défends les personnes. Et à la fin, nous allons comprendre que c'était une fondation pour les... Chez vous, ce n'est pas le cas, j'espère. Madame, merci pour la question. Je ne peux pas répondre ou je ne peux pas porter le fardeau de ceux qui sont passés derrière moi. D'accord? Donnez-moi cette chance-là. Donnez-moi le comment dire, hein? Cette chance-là, c'est ce que je demande. Donnez-moi cette chance-là et regardez. Oui, et regardez ce que je fais. Et regardez là où ça m'emmène. Je ne peux pas porter le poids de tous les gens qui sont venus escroquer au nom de la fondation, au nom des associations, au nom de ceci, au nom de cela. Moi, je suis seulement une simple madame. Je n'ai pas grand-chose. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas là pour m'enrichir, ni m'enrichir de la pauvreté de la population. Mais je suis juste là pour apporter mon savoir-faire dans mon pays. Madame Nancy, nous avons écouté très attentivement. Et j'espère qu'il y a des fondations qui viennent au nom de moi, je vais aider, je vais faire ceci, alors qu'à la fin, nous allons comprendre que c'est une fondation politique. Chez vous, ce n'est pas le cas. La politique n'est pas ma passion. Donc, je dois faire quelque chose qui est, que j'apporte. Et puis, je ne peux pas porter le poids de tous les gens, de toutes les fondations qui sont passées derrière moi. Moi, je viens juste apporter mon savoir dans ma fondation. Et je viens juste allumer la lumière dans ces gens vulnérables. Mais l'avenir nous dira, c'est à vous de juger. Donnez-moi ce bénéfice des doutes, d'accord? Donnez-moi ce bénéfice des doutes. C'est juste une question, et dites-nous. Laissez-moi aller de l'avant et c'est à vous de juger. Moi, je ne peux pas... C'est à vous de me juger. Moi, je ne peux pas dire ce qui s'est passé avant moi, parce que je n'étais pas là, je ne sais pas ce que vous avez fait, ce que vous avez fait avec votre fondation. C'est pour ça que je vous dis, donnez-moi ce bénéfice de doute et regardez-moi avancer. Et après, on pourra en parler la question. Alors, si tel est le cas, comment vous faites pour réaliser vos objectifs? Alors, pour la fondation, je fais souvent des appels de fonds au Canada. En faisant des appels de fonds au Canada, j'organise beaucoup des activités. Comme par exemple, la dernière activité avant le confinement, j'avais fait une soirée spaghetti. La soirée spaghetti, c'était un repas. Les parents et les familles venaient manger en famille. Les spaghettis, c'était 5$ pour les enfants, 10$ le plat pour les adultes. Et j'ai récolté plus de 2 500$. Et c'est avec ces 2 500$ que j'ai pu donner le premier aval de microcrédit. Et j'ai pu faire toutes ces activités que je vous ai dit. Donc, je viens pas ici. De toutes les façons, ça fait depuis que j'ai commencé. J'implore l'aide de l'État, personne m'aide sur moi. Donc, est-ce que dois-je m'arrêter à là? Non, parce que quand j'ai commencé ma vision, il n'y avait pas. J'avais pas mis le gouvernement dedans. S'ils veulent m'aider, ils sont les bienvenus. Mais s'ils ne sont pas touchés par l'action, par les œuvres que je fais, je continue. Merci beaucoup, madame.
Oui, donc merci madame. Moi je viens de retenir que madame n'est pas financée par le gouvernement. Je voudrais que madame répète encore une fois comment est-ce que vous êtes financé par vos activités. Ça, les téléspectateurs voudraient bien retenir. Encore une fois de plus. Alors, je fais des appels de fonds. Des appels de fonds, je les fais au Canada. En faisant plusieurs sortes d'activités, j'organise d'activités. Quel genre d'activité? Exemple. Exemple, je vais faire un week-end à samedi, soirée spaghetti. Dans cette soirée spaghetti, l'entrée est gratuite. Mais à manger, on va faire des spécialisations des spaghettis, toutes sortes de spécialisations à base des spaghettis. Alors, le repas pour les enfants, c'est 5$ et pour les adultes, c'est 10$. Donc, à travers cette activité-là, nous avons eu à récolter 2 500$. Donc, 2 500$ est rentré dans la caisse de la fondation. Et quand nous avons eu cette, nous avons pu faire un calendrier et où est-ce qu'on va spatcher cet argent. Nous avons fait aussi une soirée dansante. Soirée dansante. Et l'entrée était gratuite. Mais la consommation dans la soirée était payante. Et toute la consommation que nous allons, les gens allaient boire, ça allait aller dans la caisse de la fondation. Nous avons aussi fait un partenariat avec le comité congolais d'Hamilton. Et alors, avec eux, on fait des stands. Quand il y a des activités, on est là, on vend des petites choses pour les biscuits, les enfants font des biscuits et vendent pour la fondation. Et puis, il y a des activités dans ma salle, dans mon école. Dans mon école, souvent, on fait des appels de fonds, des baskets, des paniers, comment je peux dire, paniers gagnants. Donc, si tu veux faire des shoots, c'est 2$. Donc, à la fin, il y aura des gagnants qui vont avoir un petit trophée. Mais tout cet argent récolté de cette activité-là, ça rentre dans la caisse de la fondation. Voilà un peu plusieurs activités qui sont. C'est génial, c'est super. Merci. Est-ce que dois-je toujours attendre après le gouvernement? Si j'attends, je pense que la fondation va mourir. Ah oui. Vraiment, chers amis, vous avez suivi comme nous. Madame n'a pas un bailleur de fonds propres. Et donc, je pense que tout le monde a compris. Madame Nancy, nous sommes Congolais, oui. Nous sommes à Kinshasa. Oui. Et si on est basculé en toutes les missions à Lingala. Problème exact. Ah oui. Maman Nancy Mwinda. Oui, papa. Tout le monde a élingé Mobali Moko, tant que Renanda, tant que Bibiso. Je te dis bien, comme on a eu Isaraka, Elingé Mobali Mana Junior, moi, Azali. Il y a les combats, il y a des sans emploi. Tu as dit que tu as organisé un moulin de Mouamoudéné, une concertation populaire, les années 25. Il y a des gens qui ont été. Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce que la milieu de Mouamoudéné, Rosana Bango, il y a des gens qui ont été en train de se faire? Des gens d'abord, ils ont vraiment un coup de chapeau. Pour les jeunes congolais, au bazar, bazar du Kamisala et puis bazar pour mille ans. Nous avons fait ça chapeau, dans le sens néné, dans le sens que Aza pour encadrer les jeunes Wana, pour nous faire ça, ben moi, tant de fils, un peu d'espoir, parce que l'espoir veut vivre. Hein? Et ce que nous avons fait, Aza pour encadrer les jeunes à Bongo, en tout cas, c'est un coup de chapeau. Événement Oezoya, en tout cas, c'est un événement n'est pas raté. Donc, venez nombreux, soyez tous là. Junior vous réserve plein de belles surprises. Ah bon? Ah oui, hein? Et je ne peux pas le dire. Oh non, je ne sais pas si je dois le dire. Dites-nous déjà, voilà. Oh non, venez ce jour-là, venez le 25. Ah bon? Je vous invite. Moi-même, personnellement, je vous invite. Venez. Ok. Maman Nancy avait une civilisation autour de la Milou, où un débat junior a organisé le 25 août un centre culturel japonais où ils ont un collège, un ISP Gombe. Voilà, le 25 août. Maman Nancy, tu l'as dit, chipé. Mais nous, tout le monde, il y a soupe à l'aide, tout le monde, on a dit, on a tout le français, on a dit, 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 on
oui, Kinshasa, la période Moro, la katikati ya maladie wana. Nenge nini ko vivre yango kuna, pendenge nini oyé a okuti nenge nini. Yim sa biso situation eza nenge nini yomoni ma maladie yango eza solo, bato bazo kufa ya solo. Conseil ni européen c'est la bilingue, surtout ba jeune européen aussi en encadrement par rapport à maladie wana. Mes chers amis, malade wana malheureusement eza ya solo. Et ça malade moko a mortété pour na biso moko to vivre ba étape moko na ba angoisse moko pas possible. Réalité oyo eza na ba mboka na biso kuna na ba Canada erozo la moka ozo banga ta téléphone et benga ba biso mutu ko yaza atteint mutu ko ya kufi parce que c'est ça qu'on avait à chaque jour. Donc protégez-vous en tout cas, n'abandonnez pas, ne vous faites pas de fausses illusions que maladouana est maladouana réellement est. Alors ndenge nini biso to vivre en haut, to vivre vraiment na confinement moko ya makasi to banda ko salaté to banda ko bimaté to banda ka ko bimako na to kesu ba bino kwa kolia et puis on visite la cache né ma mbele bien oui et puis surtout ba na ko ba na circuler donc na comité congolais to sali partenariat. La personne vulnérable, la comité wana, non, n'abandonne pas pour se porter garant. N'a qu'une d'arracosa baliste à bateau, n'a n'a bien à bango chaque semaine pour n'a n'a qu'une somme d'abord par course parce que les ala qui dans la banane retrouvant les acquis juste de tes bâtonnets de la personne âgée bas bima bas à la plus vulnérable bas pour t'en malade wana. Donc n'a d'autres questions de la banane pour voler dans l'autre qui la banane à porte n'a bango ya banda et Dieu a fait grâce. Nous n'avons pas eu de gens atteints de cette maladie dans notre communauté, à Toronto et puis à Hamilton. Mais malheureusement, il y a eu certains décès des Congolais de Montréal. Ils ont été atteints et on est mort. Voilà. Oui, donc on a eu à peu près 5 décès à Montréal, de nos vieux papas, de nos mamans, qui sont malheureusement plus de nos jours à cause de cette maladie. Donc, faites attention. Respecter toutes les gestes barrières, s'il vous plaît. Depuis que vous êtes à Kinshasa, comment vous trouvez la population congolaise? Est-ce que dans la circulation, ça est? Est-ce que vous respectez? Est-ce que vous avez besoin de maladie? Excusez-moi du mot que je vais employer. La population congolaise est inconsciente. C'est le mot qu'il fallait, on ne peut pas remplacer. Hein? Et inconscient, négligent. Vive du jour au jour, en, je pense dans votre monde, hein. Ils se sont habitués. Hein. Et quand je vois que dans les transports, mais vous vous rendez compte, un catch avec 8 personnes. 8. Où est la distance? 8 personnes. Je suis témoin. Dans des transports en commun. Et la chose qui me fait le plus rire, vos cachetés. Vos cache-nez, vous les mettez ici. Et en plus, le pire qui me fait encore plus rire, vous, il y a des policiers qui circulent en plein air quand on n'a pas besoin de cache-nez. Or, ils doivent circuler où on est tous dans des endroits close qui doivent vraiment taper fort dans des transports en commun, dans des magasins, dans vos marchés, parce qu'on est tous coincés. Mais non, ils se promènent en plein air, en plein quartier où il y a des... Moi, on a failli m'arrêter parce que je n'avais pas mon cache-nez. Je leur ai dit, mais écoutez, le cache-nez, je veux savoir l'importance de... Donnez-moi la définition, l'importance de le cache-nez. Je suis en plein air, je me promène. Je respecte la distinction. Pourquoi je dois mettre le cache-nez? Je mets mon cache-nez quand je rentre dans un endroit clos. Donc... Le monsieur me regarde, il me dit, vous avez la chance pour amener une voiture, mais il y a la toka. Voilà un peu. Mais s'il vous plaît, la maladie existe. Protégez-vous. Elle existe. Merci beaucoup, maman Nancy. Moi, je pense que pour l'instant, je me limite là. J'ose croire que vous allez nous accorder un deuxième rendez-vous, si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, je suis à votre disposition. Ah ok. Dans ce cas, je passe la parole à ma consoeur Lilia pour clore les leçons.
Voilà, merci, merci Nabil Nyosol. Et voilà, elle m'occupe par. Vous savez que Nancy, Madame Nancy, la fondatrice, la fondation Mouinda. En plus, nous avons soutenu la œuvre. Voilà. Elle a fait une petite réclamation au gouvernement pour nous soutenir parce que ce sont des œuvres à soutenir. Lorsque l'initiative est à vous, les amis, à vous de nous écouter à tout moment. Honorable papy et bien. Il y a des orphelins, il y a des veuves négligées, il y a tant de personnes qui ont besoin de la haine. Quand certaines initiatives se présentent, vous devez mettre votre main. Ça sera vraiment un grand plaisir parce que nous avons une initiative et nous avons la même bateau de bien rabâcher. Ça va aider à ce que nous avons bien encadré pour qu'il puisse faire une réunion. Merci beaucoup plus d'être là. Merci à Arieto Pata, merci à Maître Jean-Michel. Merci beaucoup au coordinateur du mouvement de Saint-Sépoque, Junior Mouna, merci à toute l'équipe qui m'ont accompagné, Jean-Cy Matafar, Socrate Fou, Joël Loaba, Freddy Kabouk aussi. Un grand merci à ma maman aussi. Merci à Laure Mazika, merci à Mimi Mazela et à Michel Mbana en Belgique.